Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de Home Survival, un jeu de survie les loulous solo coop sorti le 12 juillet 2024 au prix de 8,79 € sur Steam hors promotion. C'est en français, alors c'est du français partiel. Il est à, on peut le voir. Alors attendez, c'était dans quoi déjà? Non, non. Je ne sais plus. Il est à 74% traduit, selon l'estimation du dev. C'est une sortie en early access sur laquelle on ne peut pas jouer à la manette, mais on peut rebind les touches. C'est développé et édité par Eigen Creationen Game Studio. Voilà, je pense que je l'ai très mal prononcé, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On va lancer une nouvelle partie. Save name, on va l'appeler Loulou. Voilà. Écraser la sauvegarde. Bah oui, de toute façon, j'en ai pas. Okay. Original. Alors j'ai coupé les musiques. Bon, ça s'entend pas, hein, mais... Bon, c'est original. On va voir ce qu'il en est maintenant. Clavier et souris en main. Une fois le chargement terminé. N'est-ce pas? Très bien, ok. Alors, le temps que ça charge, il faut que je passe en QWERTY, bien sûr. Waouh! Ah oui! Oula! Ah ouais! On en est là! Alors, attendez. On va un peu tout réduire. Appliquer. Le jeu a du mal. Ça devrait le faire. Est-ce qu'on a de la sensibilité souris aussi? Je ne pense pas. Ah si. Ah, ok. On va réduire un peu. Ça devrait le faire. Ok. Donc, en bas à gauche, on a vie, enduit, faim. Enfin. Oui, on va dire en se tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en partant du haut, vie, endu, soif, faim. Ensuite, on a des petits raccourcis clavier, donc on en a que 4. On a un gun. J'ai l'impression que les textures ont du mal à s'afficher. Je sais pas si c'est une idée ou pas, mais bon. On a 19 balles. Il porte bizarrement son pistolet. Des trucs bizarres, hein. Ok, c'est F. Donc on a un bandage, on a une pomme et on a du pétrole. Ok, c'est contrôle, clic gauche pour récupérer les choses. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème d'affichage de texture.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très joli, quoi. Termes de FPS, on est bien, hein, pas de problème. Alors, l'interface. Bon, on connaît ce genre de jeu de survie avec ce type d'interface. Hein. Ouais, y a vraiment un problème sur les textures. Fabrication. Donc là, du bois x10. On a du bois, il est représenté comme ça. La pioche, c'est du bois x10. Ok. Le marteau pour démolir, ramasser, améliorer, réparer, x10. Et le plan pour faire la construction du bois x10. Bon, tout est en bois x10. À voir maintenant comment on va récupérer du bois. Là, j'ai eu des baies. Est-ce qu'on peut taper à la main? Non. Est-ce que ça va être... Voilà, ce genre de choses. Non, des fibres. Alors, est-ce que ça va être les souches? Les souches comme ça, voilà. C'est exactement ça. Bon, bah on est, je sais sur quel type de jeu on est. Donc sur quel asset. Alors c'est pas les fameux assets qui quand on les laisse de base font un peu pirate, machin. Là c'est encore autre chose. Mais on en a déjà fait plein des comme ça sur la chaîne. Mais on va essayer de voir ce qui donne. En essayant de trouver du bois. Faut 10 de bois, j'en ai 5 du coup. J'en ai là. On va faire la hache en premier. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Hache. Alors, sur ce genre de jeu, en général, les items cassent très vite. Donc, on verra bien. Le chat qui fait du bruit derrière moi. L'objet doit être équipé. C'est exact. Mais du coup, il est plus dans mes slots de raccourci. Voilà. Très bien. Oh, comment il tient la hache? Ça me fait peur. Parfait. Donc on va faire la pioche. On va faire le marteau et le plan de construction. Ensuite, il va vite nous falloir le sac à dos. Il faut 20 tissus pour faire des tissus. Il nous faut des fibres végétales. Je peux en faire 4 logiquement. Et donc, ramassons de la fibre végétale. La pioche, on est bon. DB, les jauges de faim et de soif, ça va. Impossible de fabriquer, quoi. D'accord. Alors les tissus, ils les fabriquent par deux ou... Oui, ils les fabriquent par deux. Ah, c'est cool ça. 6, 8, 10, 12. On va faire un peu de bois. Du coup, je veux faire ceci. J'ai pas assez de fibres. Plan de construction, c'est un peu long à faire. Hein. J'ai toujours pas assez de fibres. Et du coup, on peut faire ceci. Parfait.
Donc on va avoir le sac à dos qui nous augmente de je sais pas combien, on verra bien. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer à faire une petite maison pour avoir la construction vite fait. On peut aussi s'amuser. Ça, c'est très chiant aussi. Équiper. J'ai dois être équipé. L'objet est en train de me casser les pieds. Faisons du bois. Parfait. Alors, j'ai pas équipé mon sac à dos. On est tellement mieux là maintenant. Surtout, on a 8 slots de raccourcis. Ça, c'est génial. Hop, on se nourrit de baies, ça fait le taf. Et du coup, ici, on se fait le petit 3x3 classique, les loulous. Allez, c'est parti. Déjà plus de bois. Ça part trop vite. Alors, on a pas mal d'infos aussi, hein. J'en ai pas parlé, mais on est en jour 1, il est 1h02, 3 maintenant, c'est l'après-midi, on est le dimanche 1er janvier, et année 1. C'est rare qu'il y ait ce genre de détails sur un jeu de survie. Ça mérite d'être signalé quand même. Par contre, je pense qu'il y a clairement un problème. Alors, soit c'est voulu comme ça. Alors, je pourrais dire pourquoi pas. Soit il y a vraiment un souci avec les textures du jeu. J'avais déjà. Mais ça demande combien de bois pour se faire ça? 10 et j'en ai 102. Impossible de placer la pièce. Ah. Ah mince. J'aurais dû construire bien plus à plat. On va refaire un endroit plus plat, les loulous. Je sais pas si je récupère des ressources en faisant ça, mais bon. Ouais, parce que là, ça va pas du tout. On va se mettre plus ici. On va refaire, c'est pas grave. Je pensais que je récoltais vraiment pas beaucoup de bois par rapport à ce que demandait la construction, mais en fait, si. C'est juste que le jeu est méchant. Voilà. À récupérer les fibres aussi. Alors c'est bien de faire des terrains accidentés, hein, mais pour la construction c'est pas très pratique. Du coup, est-ce que je me mets là? Presse, placer, hold.
Levé. Baissé. Ok, ça déjà c'est fait. Est-ce que je peux en mettre 3 devant? Oui. Voilà, notre petit 3 par 3. On va mettre la rampe ici. Toit en bois. Escalier pour fondation. Comment on rotate? Faire pivoter. Ensuite, on veut une porte. On veut fermer la porte. C'est pas ça. Double porte, non. Simple porte. Impeccable. Ensuite, on veut bien sûr des fenêtres. Et plus de bois. Go taper. Des arbres qui tombent très vite, d'autres un peu plus longuement. Dans l'ensemble, c'est assez rapide de couper un arbre quand même. Ah, il y a du moche. Il y a du zombie. Il va falloir regarder pour se faire une arme. Donc du coup, on continue. On a placé ça. Et on veut des murs complets. Il en manque un bout de bois. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors on a un gun hein, pour se défendre. Du coup, il faudrait que une équipe. Équipe. Est-ce que ça marche? Je peux toujours pas. Je déteste ce système. Je vous cache pas que. Vous voyez que je n'arrive pas. Hein, parce que je l'ai en main. Fait, je voudrais voir ça. Ce que ça donne. Minerai d'argent. Une équipe. Poids maximum. Ah, ça va. Ce serait pas un POI là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des poteaux électriques, d'accord. Enfin, un peu d'exploration hein, aussi. Combien j'ai de bois là? 44, ça va pas être. 44 et j'en ai 85. Donc on passe là-dessus, on fait ça.
Ensuite, on fait. On va faire un truc tout plat. Ok, comme ça, il fait bien noir. On n'y voit rien. Fabrication. Alors, un petit feu de camp. C'est parti. Ah, j'ai pas de pierre, vous allez me dire. Cinquante de bois pour un lit. J'en ai plus assez. Ça, c'est pour claim une zone. Le banc d'artisanat. 50 de bois, 30 pierres. Ouais, il va falloir que je farme. Que je farme. Alors, du coup, par contre, on va. Une équipe. Équipe. Et. À venir ici. Il me faut de la pierre. C'est du cuivre. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors du coup, ça voudrait dire qu'on peut farmer ces cailloux-là. Ah oui. Très bien. J'aurais pas pensé, vous voyez. J'aurais plus pensé à du décor pour ça. Bah pas du tout. Il me faut encore du bois. Je crois qu'il me faut 100 de bois en tout. Contrebas, il y a une route. Je commence à être blindé de chez blindé. Alors j'ai les 100 de bois. On va retourner à la maison. On va faire le banc d'artisanat, le feu de camp. Alors du coup, fabrication, on va faire ça et on va faire ça. Normalement, je peux faire les deux. Et le lit. Peut-être aussi. Ah, c'est méga long par contre, hein. Waouh. La pelle sert à quoi? Une pelle basique utilisée pour collecter des ressources. Ah, pourquoi pas tester? Coffre en bois. Je vais refaire un peu de bois. Est-ce que ça m'a pris les ressources ou pas du tout? Ça a l'air de m'avoir pris les ressources. Ce qui m'embête, c'est qu'il va faire nuit. Du coup, le jeu de nuit, je sais pas trop ce que ça donne. On peut se faire une torche. Flèche. On peut pas se faire de torche. Ça, c'est embêtant quand même. Une usine de concombre. Waouh. Alors ça, je vais le dégager.
Donc on a du cuir, de l'argent pour le moment dans le jeu. C'est plutôt bien. Au niveau sonore, il n'y a pas une ambiance sonore incroyable, hein. On n'entend pas grand-chose. Alors, je vais prendre le feu de camp. Et le lit arrive. Alors, le feu de camp. J'avoue que... Le lit. On va mettre ça là, activer. Alors, apprends à lire, hein. Ça fait pas du tout de lumière. Oh là là. Je place les choses au pif, hein. Marre complètement. Alors, bande artisanat. Ok. Lampe. Qu'est-ce qu'il me faut? Barre de fer, fil de cuivre, glace. Lampe de poche. Une barre de fer. Donc, il me faut un fourneau, du coup. Ça, ce serait cool d'avoir ça en fait. Il me faut le fourneau. 32 bois, 50 de pierre. J'ai quasiment la pierre. Il me manque le bois. Par contre, j'ai pas trouvé de fer. Ça, c'est quoi? De l'argent, ça? D'usine. Qu'est-ce que d'usine? Pas d'espace. Mince, j'ai plus de place. Je suis full partout. Faudrait que je pose mon lit. Qui doit peser un certain poids. Faudrait que je fasse un coffre aussi, en fait. Alors le problème, c'est qu'on ne voit strictement rien. Placer les choses, c'est un peu compliqué. Appeler Soma. Définir point de respawn. Ok, on a la caisse. Et on va mettre ça là-dedans. Ça peut se grouper. On peut mettre ça là. Ça fera du point au moins, hein, clairement. Ah oui, il n'y a pas photo, hein. Donc, maintenant, il faut que je refasse du bois. En pleine nuit, tout va bien. Que je fabrique le fourneau.
Que je trouve du fer, ça me paraît compliqué. Y a pas moyen de faire juste la lampe torche de base avec du bois. C'est quand même fou, ça, quand même. Hein. Qu'on puisse pas, sur un jeu, faire une torche, quoi. Une simple torche. J'ai 16. On va mettre ça là-haut. Alors normalement j'ai le bois qu'il faut. Du coup. Peut avancer là. Bande artisanat. Alors, j'imagine qu'il faut que je fasse ça et ça et ça. Une minute. Bande d'armes, station de chimie. Là, les fils de cuivre sont là. Il y a beaucoup de choses, hein. Et on peut se faire une voiture. Il y a des clés. Pour en revenir à ça, une barre de fer. Alors je sais pas comment on fait une barre de fer par contre. J'ai pas vu barre en bois. Je ne sais pas trop. Inventaire. Alors, on va essayer de placer ce fourneau. Ça va être compliqué. Je suis désolé pour les conditions, hein, de... Ah, on peut le placer à l'extérieur. Donc, on va récupérer... Ça, pour voir ce que ça fait. J'ai plus de bois. Du coup, j'ai plus de combustible. Truc qui me gêne. Devrait suffire. On retourne à la maison. Je pense pas que je vais faire de barre de fer avec ce que j'ai sur moi, mais on va tester quand même la fonte de ces trois trucs là. Voir si ça fait quelque chose. Alors, du coup, on va mettre ça là. 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 Le bois, il est ici. Alors, la seule chose qui se fond là, c'est le cuivre. Cuivre pour faire du fil et plus. Aussi bon pour faire des figures de jouets. Et sous-estimé par l'or. Ah, attendez, parce que. Le faire fondre le cuivre, ça me donne du charbon. Ah! Alors, je pense qu'il y a un petit problème quand même aussi là. Ah, je sais pas trop. Donc voilà. Il est quelle heure? C'est la soirée juste.
Alors, j'aurais bien voulu faire un peu d'exploration, mais je vais pas faire de l'exploration de nuit, hein. Donc, ce fameux banc d'artisanat là, j'avoue que je comprends pas tout. Et donc, la lampe torche, je peux pas me la faire pour l'instant, vu que j'ai pas trouvé de fer. Et là, il faut une quantité de tissu, mais phénoménale. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter dans cette découverte, hein, de toute façon. Parce que mine de rien, je peux pas craft. Ouais, c'est des branches. Ah, d'accord. Bon, je peux faire le petit chapeau, le petit casque militaire. Après, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de tissu. Équipe. Voyons voir un peu ce que ça donne. Où est la porte de ma maison? Oh là là. Elle est ici. On verra pas, hein. Alors je me demande ce que c'est lucioles, là. Moi, si on voit un petit peu. Je vais peut-être mettre ça à la place. Ah, il n'y a plus de lucioles. On n'y voit que dalle, hein. Je suis désolé. Là, il y a un moche. Et le problème, c'est qu'il est même pas minuit encore sur le jeu. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Tant pis pour l'exploration. Bon, je pense qu'il y a des POI, hein. Est-ce qu'il y a une map? Ah, il n'y a pas l'air d'avoir de map. Parce que quand je fais M en QWERTY, du coup c'est le point d'interrogation, vous savez, sur les claviers. Waouh, par contre l'orage, sympa. Du coup ça m'ouvre le menu d'options. Donc les loulous, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette présentation donc de Home Survival vous aura plu. Le jeu est correct, hein, à part cette impression de souci sur les textures. Mais bon, s'il y en a qui ont testé le jeu, vous me direz si vous avez eu le même problème. En attendant, moi je vous laisse là-dessus. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.